Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on part sur l'aventure du jeu Industria Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Okay. Apparemment, il faut démarrer cette machine-là d'une manière ou d'une autre. Oh, sorry. Il y a du bruit qu'on n'entendait pas tant. Ça, on peut plus toucher ça. Non plus. Pour établir le courant, est-ce que le... Ben... Aucune idée, peut-être que le courant était rétabli, je sais pas. L'électricité est revenue.
Non. Je voulais pas faire. Aller voir de nouveau. Faut que ça fonctionne, je trouve que ça tourne pas bien bien. Non, ça va pas. Ça rien. Is a book.
À l'époque, c'est un jeu qu'on pouvait utiliser les objets aussi. Oh ben, je savais, mais pas à ce point-là. Réussi. Je peux avoir des armes, je sais pas moi là. Comme il est 20 ans, elle doit être folle, c'est la seule possibilité, la seule. Hello? Allô, il y a quelqu'un? Une voix humaine? Hello? Allô? Ah, c'est vous. Vous avez réussi à monter avec l'ascenseur, félicitations. Who are you? Qui êtes-vous? Eh bien, c'est ça que je voulais vous demander parce que vous savez, vous êtes venu ici par le contraire. Là, je suis juste une voyageuse. Ah, eh bien. Je veux dire, après vous avoir sauvé la vie, je m'attendais à un tout petit peu plus d'informations. Je viens de... I come from,
D'ailleurs, je suis juste ici pour chercher quelqu'un qui est arrivé ici juste avant moi. Eh bien, bienvenue à Québec, alors. Femme venue d'ailleurs. J'ai de mauvaises nouvelles, cependant. Personne n'est arrivé ici avant 20 ans. En 20 ans. C'est pas possible. Peut-être, mais c'est la vérité. Cette ville a été évacuée il y a 10 ans. Eh bien, peut-être que vous l'avez juste raté, peut-être que vous... Je veux dire, on peut difficilement rater la machine qui grogne et secoue tout le quartier. Ça fait longtemps que ça n'a pas fait ça, vous savez. Écoutez, vous êtes en danger ici. Il vaudrait mieux que vous quittiez d'abord ce bâtiment. Je vous en dirai plus dehors. 20 ans, il y a quelque chose. Something is not right here. On peut monter puis descendre. On peut pas monter. Passe par ici. Allez, excellent, on peut monter l'escalier. Sauvegarder. Un nouveau revolver. Et on continue notre périple. Je suis dans une sorte de café. This music is creepy as hell. C'est vraiment flippant. Un petit peu pour le calmer, de rien fait. Vous êtes presque. Not sure if the music helps or makes it worse. Je ne sais pas si la musique m'aide. Citoyen Dakovitch. Je suis déçu d'apprendre que les attaques continuent, que nous subissons et que beaucoup d'entre vous subissent chaque jour. Ils sont très probablement organisés ou du moins soutenus par notre ville voisine de Velvelstad. Nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour nous défendre contre la menace. Je demande à chacun d'entre vous de nous faire confiance. Nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Votre élu roi, Rosendal.
Et voilà. La ruche est une faction intelligente d'IA. Certains se déplacent même en meute. Un peu là, faut y aller. Un petit peu d'or. Could he help us? I don't understand. No one knows where he came from, and everyone trusts him. Dead par là. Ah, and no sign. Science.
Ok, je comprends. Salut Gabifou, salut Jedi, comment ça va? Walter! Walter! Hey, chut, arrêtez de crier, s'il vous plaît. Comment voulez-vous que je vous trouve? Vous attirez juste plus de machines en faisant ça. Je suis bien, je suis ouvert à vos suggestions, monsieur. Tu vois ce bâtiment sur la colline où mènent tous ces câbles? C'est l'hôtel de ville, enfin, ça l'était. Allez-y, la colline est un endroit sûr. Et vous pouvez trouver des informations sur votre disparu. Quel était son nom? Walter Rebel. Bien, et ne mourrez pas, s'il vous plaît. Comment que c'est ça, l'hôtel de ville? Moi, je pose ça où aller, moi. Hôtel de ville est censé être sûr et peut-être que je pourrais trouver les signes de Walter. C'est des olives. Je suis en train de mourir.
T'as rien à voir, c'est... Une fiole. Cartouche de mitraillette. Non. Ok. Ok. Là, faut essayer de... D'après moi, faut que je... C'est eux autres qui protègent. Faut que je les tue. Oh yeah! Hey, Caribou 38, comment ça va? Fais chier, toi. Bon. Ça va, merci. En train de tester un jeu que j'ai reçu il y a une semaine environ. Et là, je le teste aujourd'hui. Je l'ai testé hier. On le continue. On va le terminer, mais pas aujourd'hui. Mais on va le terminer. On a avancé dans Resident Evil aujourd'hui, on a avancé aussi dans dans Bully. Il reste encore une vingtaine de minutes à jouer. Tabarnak, qu'est-ce qui est arrivé là? Balles.
Toi, comment était ta journée au travail? Tranquille, ça prend des journées de même. On est payé pareil. Reste concentré. Où est tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened here? Well, the whole town was evacuated after years of war. Atlas was too strong. Atlas est trop fort à la fin. Atlas? Atlas? Pardon, vous ne pouvez pas savoir. These machine things that want. Les machines ne veulent, qui veulent vous tuer sans des Atlas. T'es toujours là? Oui, je suis là, désolé. How long ago was this? C'était il y a combien de temps? Laissez-moi réfléchir. À présent, depuis environ 30 ans? 20 ans, excuse. Akavik a été évacué il y a 10 ans. Ça fait déjà si longtemps. Comment le temps passe aussi vite? It sure seems to. Wait, hold on. Attendez une seconde. Désolé, je devais enlever le bouloir du feu. That's okay. And who is this Rosendahl? Who is Rosendahl? Oh, Rosendahl. Rosendahl était notre roi. He was our king. Qui était-ce? Il a fait de son mieux, mais même lui n'était pas assez fort pour repousser Atlas. Je vois. Faites réfléchir et vous boire du thé. Je me concentrerai plutôt sur le combat que sur la réflexion, mais c'est mieux que moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh ok, je passe ici. Il
Bon, allez, on va explorer les recoins. Chose ici, je pense que c'est de la lumière, une batterie pour la lampe de poche. Effectivement. Cartouche de fusil. L'environnement est beau. Donc, si tu es en Allemagne, il s'est passé quelque chose, on est rentré dans une machine à voyager dans le temps que quelqu'un nous avait construit. Elle a voulu rejoindre son mari. Et voilà qu'elle se retrouve ici toute seule. On peut aller en face, on va venir ici en premier. Je prie. Ok, c'est comme ma batterie est vide. On va aller plus loin, ça règle le problème. Fermé. Bon, on va aller jusqu'à ce qu'il y a des poteaux. Et là, rien ici. On va dire c'est pas par là. Qui est ici en premier. Un objet. Os, des balles. Oh! Un nouveau fusil. On a peut-être manqué un vu qu'on a un espace. Voilà. Là, on est juste en face. Ok. Ah! Cartouche et mitraillette, ou c'était une mitraillette? Ouais, c'était une mitraillette, mais c'est la cartouche. Ils nous l'ont mis en cartouche vu qu'on l'avait déjà. Il faudrait quelque chose pour nous soigner maintenant.
Boum, 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 bang. Cartouche. Rien ici. Ok. Oh, il y a une autre porte ici. Y a rien, il n'y a rien. Un beau miroir sale. Putain, il m'a fait peur, lui. Et j'aurais quand même un peu dû, j'aurais dû me douter un peu quand même, là. Cartouche. Et voilà. Cartouche de fusil à pompe. De poche. Rien du tout. Cartouche de pistolet. Il y a des affaires pour la lampe de poche, mais je vais les laisser là pour tout de suite. Un bain, je suis pas venu ici, moi. Ok, rien. Quelques bas. Oh. Rien du tout ici. Vide. Vide. On peut pas aller là. On met la clé. Oh, ça s'ouvre ici. Et on aurait dû le laisser fermer. Ça n'est rien. Ah. Une fiole. OK. Rien du tout. Qu'est-ce que vous allez manger pour souper? Vers quelle heure? Oh! Ça, c'est étonnant, quand j'appuie, il disparaît direct. Toute l'eau. Toute l'eau sous moi reflétait la lumière dans toutes les directions, augmentant et augmentant en intensité jusqu'à ce que les choses autour de moi soient illuminées. Effrayés, nous avons immédiatement regagné la rive avec le choc encore présent en nous. Après aujourd'hui, je vais enregistrer tout ce dont j'avais été témoin là-bas. Personne ne le croira.
Y a rien ici. On va aller en bas rapidement. On peut encore monter, mais on va aller en bas rapidement. Selon vous, pourquoi? J'ai laissé quelque chose ici. C'est plus bas? Avec, mais j'étais sûr que j'avais laissé ça là. Je suis certain que c'était juste ici. Peut-être un plancher. Et je vois plus rien. Fermé. On peut aller par là. Oh. Je suis curieux qu'on peut aller plus haut. Répondre à la question que non. Donc c'est la bonne direction ici. Toi mon caribou, qu'est-ce que tu vas manger pour souper? Et voilà, des batteries, des piles. Ok. Vous avez demandé qui est Rosendahl, n'est-ce pas? J'ai un vieil... enregistrement provenant des dernières festivités industrielles. 10 ans de paix et de sécurité, 10 ans citoyen d'art Kavitch. Et c'est votre Walter, attends quoi? Attends, qu'est-ce que... Walter, qu'est-ce qui se passe ici? Atlas n'a pas réussi à nous diminuer, Atlas n'a pas réussi à nous effrayer. Comment connaissez-vous son vrai nom? C'est l'homme que je cherche, où est-il? Profitez de... Rosendahl? Vous voulez dire que vous cherchez Rosendahl? Non, je cherche Walter. Walter Rebelle, pas Rosendahl. Mais c'est le roi Rosendahl, Walter Rosendahl. C'est sa voix, son enregistrement. La statue, tu veux la reconnaître? Même la statue, je comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Sa voix, sa statue. Je ne comprends rien, je veux des réponses. Salut, chat. Chat, salut Gabi. Oui, moi aussi j'aimerais avoir un peu de clarté au sujet. Aidez-moi, où est-il? Comme je l'ai dit, il a quitté la ville après l'évacuation et qu'il a organisé. Continuez votre chemin vers l'hôtel de ville, vers son ancien bureau. Peut-être que vous trouverez où il est allé. Quel est le chemin le plus rapide? Vous devez traverser l'ancienne usine Rosendahl en face de vous. Après, vous ne pourrez pas le rater. Walter Rosendahl, tu te fous de moi, Walter? Are you kidding me, Walter? Ok. Quelque chose d'intéressant ici. Salut beau gosse, comment tu vas? Salut Gabi, ça va? Comment tu trouves le jeu? C'est sorti il y a une semaine ou deux.
Peut-être un peu plus. Une bouteille en face pour avoir de l'énergie, je la vois. Oh, des piles. Putain, tu m'as fait peur, psychopathe qui me court dessus. J'ai tué l'autre en arrière sans faire exprès, c'est bien ça. Élection. L'homme venu d'ailleurs sera le candidat opposé au rival du roi Dominique III lors d'un rassemblement public à l'Institut des sciences appliquées à Arkavik. Fazendol a impliqué que le seul espoir d'Arkavik est de prendre des mesures claires contre la menace qui arrive et qui appelle Atlas. Il a également présenté de nombreuses innovations fondamentales, dont une source d'énergie entièrement nouvelle qui pourrait surpasser de loin l'énergie du charbon et de la vapeur. Le mécontentement durable du peuple d'Arkavik joue en faveur de Rosendahl. Si Rosendahl gagne les élections, la ville peut s'attendre à de nombreux changements fondamentaux. Si le père Dominique III devra montrer sa force face aux événements en cours. J'avoue. On aurait à voir rien ici de ce côté-ci. Moi j'arrivais d'où là? Ça va avoir quelque chose ici par exemple. Ok, dès que je les touche.
D'accord, on va aller finir là-bas. Donc, je pense que c'est par ici qu'il faut venir. Pas aller par là, je pense. Ah, moi que je descends ici. Qui me tire dessus comme ça là? C'est lui en bas, ça? Décalisse de mes pattes. Ouvre ça. Bon. Autre chose, c'est juste ce qu'il y a là. Bon, donc il faut aller l'autre côté. Sans se jeter dans le vide. Ok. Ok. Salopard, hein? Essaye de me faire peur. Presque réussi. Ok, il y a des... Il y a des petits amis là-bas qui sont pas nos amis. J'irai pas là, je vais venir par ici. À un moment donné, il y a des limites à gaspiller nos balles. Salut Jedi. Ça va? La gaz! Je cherche une sauvegarde. Faire Ninja Turtle après.
Shreyan, vous terminez. Comment je vais descendre là? Un escalier, j'ai pas vu par ici. Je l'ai pas vu, elle. Ah, j'ai une fiole de santé. Nice. Ah, fusée à pompe cachée dans les buissons. Ok, c'est tout en bas. Moi, je suis posé menton en haut niveau, moi, là. Ah, ici. Je l'ai tué ou je l'ai pas? Faut pas sauter en bas, là. Je sais que ça va me faire. Chaud de là, je suis mort. Ah! C'est niaiseux. Ah, j'espère qu'il fallait pas que je monte là. J'ai sauté, fait que je monte. Il n'y a rien pour monter. Tu as enlevé ta flashlight, ouais. Je pense qu'elle est vide à cette heure. Salut Red Seller, ça va? Là-bas, Chicky. Excellent. C'est là, fallait que je descende tantôt sans me péter la gueule. Et là, je me demande, c'est-tu là où faut que je vais, mais... Je peux essayer de nouveau.
Même tantôt, vais-je descendre. Non, futuriste. Je peux pas monter, à moins que je saute là. Ça marche pas. Qu'est-ce que je vois pas? Y'a pas de porte. Bon, je reviens sur mes pas, on va aller voir. Mais ça se passe en Allemagne après la guerre, là, mais ça... Un autre, j'en ai d'autres des balles. Je peux encore laisser d'autres dans la face. Dessus, ça va aider. Bon, là je comprends plus rien. Ah, je peux monter maintenant, je pouvais pas monter. Ok, le fait de tout désactiver a fait... Ok, j'ai fait les trois affaires que j'ai désactivées m'a donné un pont pour monter dessus. Excellent. Et là, je peux traverser l'autre côté. Parfait. Je vois rien. Hey, you still there? Vous êtes tous là? Parlez-moi de Rosendahl. Tell me about Rosendahl. Where did he come from? Well, he arrived here just like you. Il est arrivé ici comme vous. Il a toujours apparu à l'Institut. Et à la surprise de tous les scientifiques. I can imagine. Je peux imaginer. Il avait tellement de connaissances, il était une sorte de... Une sorte d'ange. Un ange nous aidant de manière désintéressée à combattre les machines qui nous ont tourmentés pendant si longtemps. Un ange avec beaucoup de secrets. Un ange avec beaucoup de secrets. Eh bien, j'imagine, tant que roi, on doit taire quelque chose. Parlons de secrets. Qu'est-ce que votre relation avec lui? Eh bien, vous savez, nous aimons. Love each other. We're a couple. Nous sommes un couple. Vous savez, en théorie, c'est le fait de nous, vous la reine d'Akavik. Une reine des ruines avec seulement un sujet, semble-t-il. Eh bien, mieux qu'un homme en fauteuil roulant, si vous me demandez votre Sa Majesté. Oh, come on. Oh, allez. Chère mère, tout d'abord, je vais bien, je suis en bonne santé. Le froid est parti et je me sens plus vivant que jamais.
Vous avez demandé comment notre ville changeait ces derniers temps avec ce nouveau roi que nous avons. Son nom est Rosendahl et je veux vous dire, beaucoup a changé, pour mieux. Depuis que j'ai assisté à la grande démonstration de la nouvelle source d'énergie, c'est une invention après l'autre qui est introduite dans notre vie publique. Ça a commencé avec les lampes à huile électrique. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point elles sont lumineuses. Écrit sous une lumière électrique sur mon bureau. Ça sent frais, plus aucune poussière de charbon, l'air plus clair et une ville plus calme. J'espère que vous vous rendrez visite bientôt. Ma sœur et moi sommes impatients, avec amour, Anne-Marie. La cochonne du village. Qu'est-ce que tu fais de bon, mon Chicky? Tu joues-tu à des jeux encore ou t'as arrêté? Partie sauvegardée. Bon, c'était tout pour l'aventure du jeu. Industria, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!